Bonjour, bienvenue dans ce cinquième volet de ce cycle de webinaires avec la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Aujourd'hui, on va parler de marketing conversationnel. Donc, comment on peut réimaginer la communication avec ses clients en utilisant les dernières technologies. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Gilles. Ouais, ça y est, je vais trop vite. Alors, avant de commencer, on voudrait juste rappeler deux, trois règles comment participer à un webinaire. Donc, toutes les lignes sont par défaut en sourdine, c'est-à-dire que vos micros ne sont pas branchés. Si vous avez des questions, vous les donnez par la petite box que vous avez sur la droite. Alors, juste question. Une petite seconde, je pense qu'il y a pas mal de bruit de fond. J'interviens pour. Je pense que c'est peut-être. Patrick Bartolo qui a du monde autour de lui, du coup il faudrait qu'il mute son micro pour éviter que ça pollue. Et je vais essayer de pas. Voilà, super, merci, super. Ok, vas-y. Webinaire est enregistré et on vous enverra le lien vers l'enregistrement à la fin, soit demain, soit à la fin du webinaire. Si vous avez des soucis d'audio, n'hésitez pas à couper votre webinaire et d'appeler un des numéros de téléphone que vous pouvez voir en bas de la slide. Et sinon, vous pouvez juste débrancher, passer en mode téléphone et puis retourner en mode ordinateur et ça devrait résoudre tous vos soucis. Oui, mais il n'y aura pas de soucis, tout va bien marcher, je suis sûr. Moi aussi. Donc là, on peut redonner le micro à Patrick Bartolo. Là, vous avez moins de bruit de fond. Oui, c'est mieux là. Merci, Patrick. Tout le monde se tait tout d'un coup. Alors, je ne vais pas faire long, puisque pour réimaginer, comme vous avez dit, Gabor, on va imaginer d'une autre manière. Donc, j'aimerais dire bonjour à tout le monde et puis vous dire que nous sommes heureux. La CCIG est très heureuse d'organiser cette série de webinaires avec WSI. Donc, maintenant, c'est le, je ne sais plus, 3, 4e. 5e. 5e, vous voyez, j'ai même raté une semaine. J'ai raté une semaine alors que nous existons, la Chambre, depuis 155 ans, vous vous rendez compte? 155 ans. Alors, pour les non-membres, j'aimerais juste rappeler les non-membres donc, qui sont sans doute connectés avec une attention particulière à ce que fait la Chambre de commerce de Genève. J'aimerais quand même juste vous rappeler très rapidement que nos missions pour notre Chambre qui compte plus de 2400 membres et qui est une association de droit privé, ce qui est très important pour les gens qui sont à l'étranger parce que la structure est un petit peu différente. On a donc une totale autonomie et une représentativité qui nous permet d'être le porte-parole de l'économie face aux autorités publiques avec quatre missions principales. Vous voyez que j'essaye d'aller assez vite. Améliorer les conditions cadres ayant trait à l'économie. Promouvoir les membres par la mise en relation d'affaires. Fournir des services aux membres et également informer et documenter les membres. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est tout à fait dans le thème. Alors, je ne vais pas faire plus long parce que je n'aimerais pas vampiriser le temps. Je vous souhaite tous de profiter de cette session qui va être, je n'en doute pas du tout, très, très intéressante. Et je vais recouper mon micro pour que tout le monde puisse parler chez moi de nouveau. Merci beaucoup, Patrick Bartolo, le directeur financier et administratif de la CCIG. Je voulais juste donner deux, trois mots sur WSI. C'est en fait l'acronyme pour We Simplify Internet. Nous, cette année, on fête nos 25 ans pour ce qui est dans le digital une éternité. On fournit des services de marketing digital et des stratégies qui aident les entreprises de toute taille et de toute horizon dans toutes les industries. On a plus de 800 agences dans 80 pays et on pense être le plus grand réseau de marketing digital. Nous avons une approche 360 degrés qui permet à toutes les structures à se développer. Aujourd'hui, vous avez Gabor, je suis le représentant pour la Suisse, et nous avons aussi Gilles qui est notre consultant basé à Paris et qui va parler de lui. Ce que je propose, c'est que je vais arrêter la vidéo, comme ça on pourra se concentrer sur la vidéo, on reprenne la vidéo lors des questions-réponses, si ça te va, Gilles. Ouais, parfait, parfait. À toi. Alors, tiens. Excusez-moi, il y a un petit. Voilà, très bien. Donc là, voilà, normalement, j'ai désactivé ma webcam, mais je vais me présenter rapidement. Et donc, vous voyez que sur le slide, vous voyez, moi, je suis celui de gauche, Gilles Dandel. Je suis consultant WSI depuis maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai créé mon agence marketing digital après un parcours dans des grands groupes industriels français.
J'ai la chance d'avoir une petite équipe avec moi et on accompagne des clients toute taille, petit, moyen, gros, très gros, à définir et mettre en œuvre, optimiser leur site internet pour le rendre enfin efficace, ce qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est notre métier, on adore faire ça pour tous nos clients. Et toi, Gabor? Alors, Gabor, lancé mon agence en 2017, passionné par le digital marketing, j'en ai fait mon métier. Mon but, c'est d'aider les PME, principalement, ainsi que les grandes structures, à booster leur business. Et j'enseigne aussi à la Haute École de gestion ici à Genève. Ce matin, je donnais mon dernier cours. Et la semaine prochaine, je vais aider deux, trois étudiants à passer leur thèse de bachelor pour aider la numérisation qui s'est avéré comme un élément essentiel de toutes les sociétés après cette période de Covid. Et notamment, j'ai aussi participé à la troisième édition du Digital Minds, qui est notre livre sur comment bien maîtriser le marketing digital. Et je crois que la traduction en français va sortir prochainement, si je ne me trompe pas, Gilles. Ça, tu vas recevoir tes exemplaires, moi aussi, je pense, dans quelques jours. Ok, D'accord. on va donc revenir à notre sujet du jour, le marketing conversationnel. Donc, tu as préparé un agenda riche, comme d'habitude. J'ai essayé de faire assez succinct, mais pour qu'il soit assez riche. Donc, on va commencer à parler un peu de marketing conversationnel. On va toucher quelques notions, faire des définitions. Après, on va vous énumérer les différents chatbots qui existent, comment se lancer, comment les utiliser, les bénéfices des chatbots. Et vers la fin, on abordera cette fameuse vallée. Et j'ai pas trop envie de dévoiler à ce stade-là. Bah oui, un peu de teasing, un Un peu peu de de teasing. teasing, hein. Là, est-ce que tu aurais fait du marketing dans ta vie, Gabor? Légèrement. Et logiquement, d'ici 45 minutes, on aura couvert toutes nos diapositives et on répondra à toutes vos questions. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la chatbot qui est sur la droite de votre écran et on essaiera à répondre à toutes. Ok, super. Alors, on va lancer un petit sondage avant de démarrer. On aime bien faire ça pour tous les webinaires et ça c'est un bon succès parce que ce qu'on souhaite mesurer, c'est savoir si ce webinaire vous a été utile et a progressé dans les décisions. Donc, le sondage que je voudrais vous proposer, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé un chatbot? Est-ce que vous utilisez actuellement un chatbot sur votre site internet? Donc, je lance ce sondage. C'est très simple. Vous allez répondre par oui, non ou je ne sais pas. Et on va voir, et on partagera les résultats pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, on va vous laisser une petite minute. Normalement, le sondage démarre maintenant. Voilà. Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre à ce sondage. Alors, c'est assez intéressant. Je peux vous dire que c'est très intéressant. D'accord. 56% avoir voté, il se dégage d'une tendance déjà qui est très importante. D'accord. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Vous êtes 66% avoir voté, ça progresse. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, hein. Donc, waouh, très nombreux. Venant de la Suisse, bien sûr, mais pas que, hein. Ce webinaire est fait en partenariat avec la CI de Genève, mais il est promu en France, en Belgique, enfin dans toute la zone francophone, même en Martinique. Donc, imaginez qu'on a du. C'est très, très hétéro. C'est Ils très sont dispersé. lourds. Donc, vous êtes prêts à voir les résultats? Oui. Vous êtes 68% à avoir voté. Il y en a qui ne veulent pas voter, ce n'est pas grave. Donc, on vous a laissé une petite minute, c'est bon. On va faire les sondages, je vais vous partager les résultats. Et attention, bam-bam. Wow. Vous avez dit, hein, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous êtes à 79%. Vous voyez mes résultats ou pas? Je suis pas Oui, sûr. on voit. Vous voyez les résultats? Okay, super. Vous êtes apparemment 14% à utiliser les techniques de marketing conversationnel. Bravo à ceux qui sont déjà là-dedans. 79% qui n'utilisent pas. Et 7% qui ne savent pas s'ils utilisent ou pas. Donc ça peut arriver, hein. Dans les grands groupes, dans les grandes structures, bon, ça peut arriver. Voilà, donc on va revenir sur nos slides. J'espère que je ne vais pas avoir à chaque fois on a un petit souci quand on revient du sondage pour retrouver le slide. J'espère que ça ne va pas
être le cas. Voilà, donc normalement, c'est bon, vous avez les résultats. C'est bien ? Alors, commençons avec les définitions. Qu'est-ce que le marketing conversationnel ? En fait, c'est une nouvelle méthode de marketing qui consiste à établir un dialogue, une communication entre deux personnes, qu'il soit continue ou ponctuelle avec généralement des clients, des prospects et de manière générale un internaute. Et l'idée d'établir ce dialogue, c'est d'essayer de dialoguer avec cet internaute le plus rapidement possible. Dans notre jargon, on essaye d'identifier le parcours d'achat de ce fameux client en trois phases. Il y a une première phase qui est la phase de prise de conscience. Ensuite, il y a une deuxième phase lorsqu'il reconnaît son problème ou son besoin et il est dans une phase de considération, c'est-à-dire qu'il évalue toutes les possibilités qui existent. Et après, il y a une phase de décision. Généralement, c'est à ce moment-là qu'il y a un acte d'achat qui se passe. Et c'est lorsque le client décide de prendre une solution. Et avec ce marketing conversationnel, on va travailler sur la qualité de la relation. On va essayer d'agrandir la confiance pour vous, afin de mieux connaître votre client, de ce qu'il a besoin. Et pour le client, afin de mieux connaître ce que vous lui offrez et d'établir un certain rapport de confiance. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer ce dialogue lorsque cette personne est un visiteur, un internaute, qu'il devient un prospect qui dit qu'il serait peut-être intéressé par vos solutions. Ensuite, qu'il devient un client, c'est-à-dire qu'il a déjà effectué des achats. Et idéalement, on aimerait transformer tous les clients, ce qu'on appelle en des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire qu'ils mettent leur propre réputation au jeu pour vendre vos produits sous forme de témoignages, de recommandations ou autres aspects. Voilà. Alors, on comprend ce que c'est que le marketing conversationnel, mais concrètement, pourquoi mettre en place une stratégie de marketing conversationnel d'abord ? L'idée, c'est d'avoir un meilleur engagement. Donc, maintenant, en étant connecté et internaute, on sait que la majorité de nos prospects sont 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en train de rechercher des informations, contrairement à vous. Donc, il faut trouver une solution qui peut avoir cette disponibilité et qui peut répondre rapidement à ce besoin. Donc, là, c'est une relation commerciale simple entre le client et vous. Et généralement, ça peut être la clé du succès de votre vente. Donc, quelques statistiques pour vous montrer pourquoi ça marche et pourquoi c'est un meilleur engagement. Mais on sait que 80% des entreprises vont utiliser des chatbots, contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui dans le sondage qui montrait que 80% de gens ne l'utilisent pas encore. Et ça, c'est prévu pour cette année. Donc, il semblerait qu'il y a un petit écart entre notre audience et ce pronostic. Et c'est une deuxième statistique qui était faite aussi en France, c'est que 56% des Français estiment que ça simplifie leur vie parce qu'ils arrivent à avoir une réponse assez rapidement à leurs besoins. Clair. Alors, moi, ce que je constate, c'est que c'est ce que demandent mes clients souvent, on fait du marketing digital, c'est pas pour faire du marketing digital, c'est ni pour faire du chatbot, c'est pour transformer les visiteurs en prospects et clients. Et c'est aujourd'hui un canal qui est identifié comme pouvant aider à augmenter le taux de conversion des visiteurs. C'est une autre des raisons pour laquelle on doit s'intéresser au marketing conversationnel, c'est parce que ça ouvre un nouveau canal qui permet d'amplifier, d'augmenter le taux de conversion de votre site. Et on sait que c'est important d'augmenter le taux de conversion de votre site. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre à budget équivalent d'avoir plus de prospects ou de réduire vos dépenses marketing, d'achat de mots-clés, etc. pour avoir le même nombre de résultats. Donc, aujourd'hui, on fait vraiment la chasse à ça. Je veux dire, comment on peut améliorer le taux de transformation d'un site Internet ? C'est la problématique principale de tout propriétaire de site internet ou de tout responsable marketing qui veut démontrer à ses équipes qui font mon travail, c'est essayer en permanence d'augmenter le taux de conversion. Et on est vraiment à la recherche tous les jours des nouvelles briques, des nouvelles solutions qui vont améliorer ça. Donc on en a déjà présenté pas mal dans les webinaires précédents et on en parlera encore plus lors du prochain webinaire, c'est comment optimiser l'architecture de conversion de son site. Ça sera l'objet du prochain webinaire à venir. On vous encourage bien sûr déjà à réserver votre place, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est une tactique qui permet d'augmenter le taux de conversion. Alors, comment ça fait pour augmenter le taux de conversion ?
La principale intérêt, c'est que vous savez aujourd'hui, le taux de conversion, c'est quand on remplit un formulaire, quand on achète un produit ou quand on, voilà, quand on fait des opérations qui sont jugées un petit peu lourdes. Et pour remplir un formulaire, on peut pas valider le formulaire tant que tous les champs ne sont pas remplis. Il y a des champs obligatoires qui doivent être remplis. Et tant qu'on n'a pas rempli tous les champs, on n'a pas tout rempli. Alors, le marketing conversationnel, ce qui permet, c'est justement un peu plus de souplesse et d'engager la personne dans un processus à travers ces fameuses conversions pour lui demander au fil de l'eau des informations qu'on a besoin pour remplir les fameux formulaires. Donc, en fait, on arrive à remplir le formulaire sans demander à remplir de formulaire. Et c'est à travers une discussion qui paraît naturelle. Et c'est ça la magie du marketing conversationnel. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça permet, à travers, c'est une nouvelle tactique qui permet de transformer vos visiteurs en prospects sans avoir l'air de leur demander de remplir des formulaires. C'est pas long. Très intéressant. Alors, après avoir vu que ça améliore l'engagement et la conversion, il y a un troisième point qui est flagrant comme avantage pour ce marketing conversationnel, bah c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que souvent, on constate lorsqu'on installe des chatbots chez nos clients, bah c'est qu'il y a un retour sur investissement rapide. Et pourquoi? Parce que bah, cet outil qui utilise l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, intelligence artificielle, bah, c'est que on peut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de manière très efficace avec un coût réduit. Par exemple, l'Amtrak, c'est-à-dire la société des chemins de fer américaine, elle a mis un bot, et on reviendra plus tard dans la présentation, qui s'appelle Julie, et son retour sur investissement est de 800%, c'est-à-dire que pour un franc, un euro, un dollar investi, il retire entre 8 et 9 dollars, francs ou euros de chiffre d'affaires. Donc c'est juste phénoménal, un ROI de 800%. Oui, c'est ça. Et donc, et la fameuse Julie qu'on voit qui a un superbe sourire, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un virtual assistant. Donc, c'est pas quelqu'un de physique, c'est quelqu'un qui, c'est un robot, c'est un site, un programme qui tourne 24 heures sur 24 et qui va analyser les données. Et on en reparlera tout à l'heure. All right. Est-ce que tu vois d'autres avantages, Gilles? Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Plein d'autres avantages. Des autres avantages qu'on peut citer, c'est que ça peut dynamiser et rendre plus efficace la communication avec vos clients. Ça vous permet de récupérer plus d'informations sur ce qui intéresse vos clients et commencer à segmenter et comprendre ce que vos clients recherchent. Et ça, on est vraiment dans le cœur du marketing parce que qu'est-ce qu'un responsable marketing doit savoir? Il doit savoir ce que recherchent les clients ou comprendre ce que recherchent les clients. Donc là, c'est un nouvel outil qui permet de mieux comprendre ce qui peut intéresser vos prospects clients. On va utiliser de nouvelles technologies, on va utiliser, tu en as parlé, de l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Et on s'aperçoit que les clients préfèrent, là, notamment en période Covid, ben, il n'y avait plus de relations. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les communications ont repris l'importance. Des échanges vocaux, mais aussi l'impact a été à travers le plus d'utilisation de messagerie instantanée. Les gens veulent échanger quand même. Donc ça, c'est important. Un autre avantage, et ça, on était en plein dans le cœur du sujet, puisqu'on a vu dans le stade tout à l'heure, c'est que 80% d'entreprises, qui participent aujourd'hui, n'utilisent pas encore les chatbots, bah, alors qu'on sait que c'est une tendance de fond. Ça veut dire que peut-être vos concurrents utilisent déjà le chatbot et peut-être que, ou s'ils ne l'utilisent pas, en tout cas vous, vous avez peut-être intérêt à le mettre en place pour vous différencier. Voilà, donc ça, c'est des avantages importants, hein. Il y a une étude de 2016, donc, qui date un peu, hein, qui expliquait en 2016 que dans quelques années, c'est-à-dire maintenant, par exemple, on parlera plus au chatbot qu'à nos conjoints. Donc, il ne faut pas dire ça à ma femme, mais en tout cas, c'est pas encore vrai. Je pense que je parle encore un petit peu plus à ma femme qu'à un chatbot. Mais c'est vrai que je constate, personnellement, je passe de plus en plus de temps à interagir avec des chatbots. Là encore aujourd'hui, mais j'ai posé plein de questions à des robots. Et j'ai trouvé les réponses à mes questions rapidement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, quelle forme peut-on utiliser pour mettre en place des chatbots, Gabor?
Alors, il y a plein de formes. On en abordera quelques-uns plus tard dans cette présentation. Mais je pense que vous en avez déjà eu. C'est ce qu'on appelle des live chats directement quand vous allez sur un site internet. Généralement, c'est une petite capsule de couleur qui se trouve en bas à droite de votre écran. Mais il y en a aussi sur du WhatsApp pour faire un chat directement sur WhatsApp. Sur Facebook, il y a des messages instantanés, des SMS, etc. Est-ce que ce qu'on essaye de représenter là, où on voit Gilles bouger sa souris, les différentes formes. En fait, si tu passes à la diapositive suivante, j'ai un exemple qu'on a pris d'une société suisse qui est Swissquote et qui est en fait une espèce de bourse en ligne pour boursicoter. Et là, bah, vous avez le petit logo sur sa page de Facebook, sur les réseaux sociaux. L'exemple suivant. C'est un exemple qui va certainement faire réagir certains de nos collègues suisses romands ici, francophones. C'est une des plus grandes banques nationales et qui n'a qu'un chatbot sur sa version allemande. Elle n'existe pas sur la partie française, mais c'est exactement le même principe. OK. Très Voilà. bien. Très bien. Donc, pour ça, il faut alors, mettre en place un robot, mettre en place un outil, un système, c'est bien, mais pour dire quoi? Ben, en fait, on essaie de commencer une conversation avec une plateforme. Alors aujourd'hui, on connaît toutes ces plateformes qui sont Siri, Google, Alexa, et je les nomme. Et c'est intéressant de voir comment on a adapté ces différents outils dans notre quotidien pour ouvrir les fenêtres ou les volets, pour poser des questions. Quelle est les dernières actualités sur Trump, par exemple, ou quelle sera la météo demain? Etc. Et en engageant cette conversation, bah, ça devient un peu ludique. Et je pense qu'il y a d'autres statistiques que tu voudrais partager à ce sujet. Bah oui, il y a de plus en plus effectivement de consommateurs qui souhaitent utiliser l'outil de chatbot plutôt que d'utiliser des emails, par exemple. C'est Twilio qui nous dit ça. C'est important. Je veux dire, c'est vraiment de rentrer dans un mode où les gens, alors la messagerie reste importante, mais ils intègrent, ils sont intégrés déjà ces outils ces nouvelles techniques de communication. Il y en a d'autres, hein? Oui, alors il y a le fameux Facebook. Aujourd'hui, bah, il y a une statistique qui fait un peu froid dans le dos, c'est de savoir qu'il y a plus de 46,1 milliards de messages qui sont échangés sur juste les plateformes de messagerie Facebook qui sont WhatsApp et Messenger, Facebook Messenger. Et c'est un point qui est assez important. Et souvent, on me demande, on me pose la question, mais Gabor, sur Facebook, pourquoi les gens utiliseraient plus la messagerie que, par exemple, une stories ou un post? Ben, il faut savoir qu'une story, ben, elle reste 24 heures et elle n'arrive pas vraiment à avoir une conversation. Tandis que lorsque vous arrivez à démarrer cette conversation, cette relation avec cet internaute, ce socionaute, ben, vous avez un dialogue qui s'établit et qui reste, quoi, qui reste dans la durée. Excuse-moi, je te bouscule un petit peu, Gabor, parce que je vois que le temps passe et j'essaie je pense qu'il faut pas qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Alors Pas de bon, souci. les chatbots, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas accessible. Prenez l'exemple de la grande banque suisse là, qui ne parle qu'aux Allemands en chatbot. Mais aujourd'hui, c'est des outils qui sont accessibles aux TPE, PME. Je veux dire clairement, il n'y a pas besoin d'être un très grand groupe. Un Mythique ou une Swiss Bank ou machin pour mettre en place un chatbot sur son site internet. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des outils bien sûr très puissants comme Lara de Mythique ou chez Dior hein, qui ont mis en place des moyens importants et c'est vraiment des outils qu'ils utilisent qui ont une importance stratégique pour eux. Mais c'est aussi important pour vous, une petite TPE, PME, et on va avoir des exemples concrets et pratico-pratiques qui vont vous permettre de comprendre pourquoi dans une TPE, PME, mais bien sûr les grands groupes, ce genre d'outil peut être efficace en les configurant vous-même si vous savez le faire, et on verra qu'il y a des solutions qui sont accessibles, ou en faisant appel à des prestataires qui peuvent vous accompagner dans la mise en place de chatbots. Donc justement, un exemple simple, Gabor. Alors, un exemple tout simple, bah, c'est le Pizzaiolo. En fait, ces pauvres restaurateurs, maintenant qui ont pu rouvrir leur magasin, leur restaurant, ils ont un gros souci, c'est qu'ils doivent être au four et au moulin.
Alors, si vous Ouais. prenez le de ce pauvre pizzaiolo qui doit travailler seul, et aux heures de pointe, ben, il y a son téléphone qui n'arrête pas de sonner parce que les gens, ils ont faim et ils veulent passer une commande pour leur pizza. Et au même moment, ben, le pizzaiolo, ben, il doit vraiment cuire toutes les pizzas qu'il a, de toutes les commandes qu'il a déjà reçues. Il a Donc, les mains si on... dans la farine, il a les mains dans le lard, dans les tomates Dans et les cochons. Okay, ouais. ouais, va mettre un peu de bois dans son four. Et Mmh. si on pourrait lui simplifier la vie en mettant simplement un chatbot. Et ce chatbot, le seul rôle de ce chatbot, ça serait un chatbot qui prendrait les commandes en ligne au Non. chrono qu'on a défini par avance. Et généralement, c'est aux heures des repas. Et Mmh. en posant des questions assez simples, bonjour, vous voulez une pizza grande, petite, quel type d'ingrédients, tatatac, ben, on pourrait dégager des ressources pour que le pizzaiolo puisse continuer à cuire, à préparer ses pizzas, Ah, bien sûr. tout en même temps en recevant des commandes. Et le bénéfice, ben, pour cet entrepreneur, ben, c'est d'avoir plus de pizzas et avoir plus de ventes et plus de commandes finalement. C'est ça. Alors, pour créer des chatbots, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'outils et on aime bien partager à chaque fois, on le fait dans tous les webinaires. On dit voilà, nous, chez WSI, on a ce qu'on appelle plateforme agnostique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de produit WSI à vous vendre. Simplement, on sait. En fonction de vos besoins, de vos objectifs, vous aider à trouver la plateforme qui est la mieux adaptée en fonction de votre budget, de votre contrainte, de ce que vous voulez faire aussi, tout simplement. Donc, on utilise bien sûr G2Crowd, qui est une plateforme qui recense tous les meilleurs outils du marché sur des thématiques et des outils dans ce qu'on appelle la MarTech, ça a explosé, hein. Il y a vraiment un domaine en plein développement. Donc, le métier des chatbots, on voit que c'est un métier où il n'y a pas encore énormément d'acteurs, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas encore référencés là-dedans, parce que par exemple, HubSpot, qui est un de nos partenaires, ils ont mis un peu de chatbot. SharpSpring, pareil. Donc, encore, je veux dire, ils ne sont pas encore complètement à jour, mais c'est tout ça pour dire qu'il y a déjà des acteurs leaders qui se positionnent. Qui sont en haut à droite, et puis d'autres qui démarrent, qui sont plus des chatbots de niche, donc c'est qu'on trouve en bas à gauche. Donc il y a plein d'outils, c'est pas un problème de savoir s'il y a des outils qui vont savoir faire ce que je veux, les outils existent déjà. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon outil adapté à vos objectifs, et on peut vous aider si c'est le cas. Par exemple, les outils leaders. Tu peux en parler quelques-uns, peut-être Gabor? Ah, des outils leaders. Il y a Alors, Intercom à gauche, il y a Intercom qui est un outil classique, je vais peut-être le faire si tu veux ce slide. ouais, Il y ça. a des outils comme Intercom ou Drift, il y a bien sûr IBM Watson qui sont des outils payants. Et qui nécessite un petit peu de savoir-faire, un peu de temps. C'est pas très compliqué, mais il faut se poser les bonnes questions. C'est savoir quelles questions se posent vos clients et comment vous allez pouvoir y répondre. Et puis bien sûr, vous avez des outils comme Alexa Business qui est en bas à droite, qui sont aussi des outils. Vous imaginez la puissance d'Amazon, parce que c'est Amazon qui est derrière. Ben, vous avez des outils, et là aussi, vous avez des équipes qui vous aident à mettre en place, configurer votre chatbot pour votre entreprise. Donc, il y a quelques outils payants, c'est pas encore très cher, vous avez toujours une option de try for free, c'est-à-dire vous avez une version premium, une version gratuite pendant quelques temps, et puis une version, vous pouvez utiliser une version gratuite, mais très vite, vous êtes invité pour débloquer le passage, à payer un petit abonnement mensuel. Voilà, les outils gratuits, il y en a cinq qu'on a identifiés qui sont vraiment connus. Il y a Botify, Chatful, MobileMonkey, qui est connu pour ses surveys Monkey. Ils étendent justement, c'est un autre moyen de communiquer. Motion AI, et puis SurveyBot. Voilà, c'est les cinq outils gratuits qu'on retrouve régulièrement. Qui sont vraiment très simples d'utilisation, que vous pouvez utiliser et mettre en œuvre très rapidement dans votre site internet. Moyennant un peu d'intégration de code que votre webmaster préféré saura faire. Voilà. Alors maintenant, Gabor, c'est pour faire quoi ces chatbots? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Là, tu as montré un peu la constellation des chatbots. Tu as aussi évoqué que ça évoluait très rapidement, qu'il y avait plein de nouvelles solutions qui arrivaient. Ben, pour essayer de simplifier ça, nous, on a segmenté. Pas ben, nous, ben, il y a une segmentation qui est pour les chatbots. Et en fait, c'est dans le principe, comme on voit en anglais, qui dit crawl, walk, march, run. Donc, aller à quatre pattes, commencer à marcher et puis courir. Donc, le premier niveau des chatbots, c'est des chatbots de type informationnel. Ils sont assez simples, ils permettent de partager des informations générales de genre FAQ, c'est-à-dire de réponse à des questions et envoyer des notifications. Le deuxième niveau, c'est un niveau qui devient un peu plus complexe. Et là, il y a des espèces de transactions, il y a des transactions qui vont apparaître. Donc là, c'est quelque chose qui favorise des interactions avec le business, par exemple, des demandes d'authentification pour payer. Et le troisième niveau, bah, c'est ce qu'on appelle un chatbot de type conseil. Et là, c'est très sophistiqué. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont généralement données avec ces solutions. Et ils marchent sur un processus de self-learning, c'est-à-dire auto-apprenant. C'est-à-dire que cet algorithme arrivera à développer des questions de plus en plus importantes et intéressantes et cohérentes en fonction de l'historique qu'il a eu. Ça fait rêver. Ça peut rêver et ça peut faire peur aussi. Mais par où faut-il commencer, Gilles, Bah, en pour ça? fait, c'est bien ta segmentation parce que ça, en fait, ça explique naturellement le processus. Je veux dire, par où commencer? Bah, si vous n'avez pas mis encore de chatbot, je pense que la première étape, c'est pas de viser la lune et c'est de commencer par le premier niveau de chatbot, ce qu'on appelle les chatbots informationnels, qui sont le plus simple à mettre en place, mais qui nécessitent déjà un petit peu du cerveau, un petit peu de réflexion, justement, en se posant les questions, c'est quoi les questions que se posent vos clients, que vous posez vos clients. Et donc, si vous avez déjà une FAQ sur votre site, c'est génial. Peut-être en profiter pour la mettre à jour, l'enrichir, et puis la transformer, la mettre en chatbot. Ça peut être aussi pour faire des mini-questionnaires, des questionnaires simples. Vous souhaitez aider par exemple un internaute à s'auto-évaluer sur une thématique et vous allez lui poser quelques questions, puis lui dire ben, merci pour tout, grâce à toutes ces questions, boum, je vous donne la réponse et voilà à peu près à quoi vous vous situez. Donc c'est des chatbots très simples, mais qui commencent déjà à vous mettre le pied dans l'étrier et qui vont vous permettre de comprendre l'importance. Parce que quand vous allez voir que des gens interagissent avec votre chatbot, dire waouh. Finalement, c'est pas si ridicule que ça. Il y a effectivement, les gens utilisent des chatbots. Et nous, c'est ce qu'on constate. À hein. Chaque fois, il y a des clients qui nous disent non, j'y crois pas, chatbot, j'y crois pas. Mais, ben, on va le mettre en place. On essaye pendant un mois, 2 mois, puis on va voir. Et ben, on s'aperçoit que non seulement les gens commencent à interagir, il y a des vrais leads qui arrivent grâce à ces chatbots. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moyen qui permet d'augmenter le taux de conversion. Faut pas s'en priver. Voilà, et puis si on veut aller plus loin, bah, Gabor, on compte sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? La deuxième étape, c'est vraiment arriver à ce qu'on appelle à ces chatbots transactionnels. Donc, fort de l'expérience que vous avez eue avec votre premier chatbot de type informationnel, maintenant, ce qu'on essaye, c'est de commencer à segmenter. Segmenter, ça veut dire, est-ce que je mets mon chatbot seulement sur certaines pages ou sur certaines rubriques de mon site? Ou est-ce que je fais quelque chose de général? Et après, on commence à optimiser. On essaye vraiment de donner de plus en plus de réponses pertinentes par rapport aux questions à un internaute qui a montré un certain intérêt en venant sur une page spécifique ou sur un réseau social. Et c'est là où on passe de la marche, où on est de la phase en train de ramper, apprendre à marcher. Et le troisième niveau que tu vas nous expliquer tout de suite, Gilles, c'est quand même courir et peut-être, si on est très bon, être comme Usain Bolt et sprinter, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, ça nécessite un petit peu plus, effectivement, d'investissement, de temps, d'argent aussi, parce que là, on commence à rentrer à utiliser des techniques qui sont un peu plus pointues, comme l'intelligence artificielle. Quand on parle de système auto-apprenant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui fait rêver, hein. On dit, waouh, comment un robot peut apprendre? Ben oui, les robots apprennent aujourd'hui. Et on a d'ailleurs un petit exemple, si on a le temps, on aimerait bien vous montrer un petit exemple d'exemple de conversation qui est impressionnant avec justement ce chatbot. Donc, on va voir tout à l'heure si on a le temps pour vous présenter ça. On va essayer de vous présenter une petite vidéo en live. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tous ces outils viennent avec des outils de mesure spécifiques et qui vous permettent de prendre des décisions et de comprendre aussi ce qui se passe sur votre site, comment les gens interagissent sur votre site.
parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ouais, d'accord. Donc là, le chatbot, vous inquiétez pas, ils viennent avec leur ensemble d'outils qu'on appelle l'analytique, qui permettent de comprendre bah justement le niveau d'interaction que vous avez avec vos visiteurs et votre chatbot. Donc là, par exemple, l'exemple que tu peux partager avec nous, là, mais bon. Ouais, je voulais juste dire, comme tu le mentionnais, c'est que quand on arrive avec des chatbots assez de type conseil qui sont très élaborés avec des outils analytiques et tout ça, c'est le troisième niveau. Mais afin de commencer, on peut avoir un outil très simple en utilisant Google Analytics, qui est gratuit et qui devrait être installé sur votre site. En utilisant la partie recherche interne, si vous avez un site web ou vous avez un moteur de recherche pour rechercher en interne, ben vous voyez, grâce à Google Analytics, quels sont les termes qui ont été le plus souvent usités durant une certaine période. Et là, j'ai pris l'exemple d'un de mes clients. Et lui, ben, ce qu'il peut voir, c'est que le numéro un des questions que ses clients posent, c'est ce qui concerne les leasing ou les voitures d'occasion ou une certaine marque. Et ça, ce serait ben, typiquement des premières questions qu'un chatbot pourrait aborder, poser pour commencer cette fameuse conversation, ce fameux dialogue. Exactement. Et donc, ça se programme un chatbot, c'est ça? Donc, on utilise un espèce d'éditeur de questions qui permet de remplir les questions, de poser les, enfin, de se présenter. Bonjour, je suis le chatbot du site en question. On pose une question et puis, en fonction des réponses, on peut établir des scénarios qui vont orienter la personne vers des branches du chatbot et l'inciter comme ça à progresser dans son parcours de questions. Vous voyez, c'est assez simple. C'est très visuel, c'est très graphique et ça ne nécessite pas de connaissances informatiques très, très pointues à ce niveau-là. Par contre, le jus de cerveau, comme tu le mentionnais avant, il vient vraiment ici. C'est-à-dire qu'il faut bien faire sa catalogue, bien penser à toutes les options possibles. Et c'est là où la grande différence entre le premier niveau et le deuxième niveau, c'est une fois qu'on a compris comment s'établissent ces dialogues, ces conversations, qu'on arrive bien à cartographier et développer des bons scénarios. Donc là, c'est ma fameuse balise. Et généralement, ce qui se passe avec les gens qui bricolent avec les chatbots, bah c'est comme les répondeurs. En fait, ça commence très bien. On dit bonjour, comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Gabor. Nanani, nanana. Et bah, au début, on donne l'impression à notre internaute qu'on a une conversation avec un humain. Et assez souvent, bah, on se rend compte qu'on parle à un robot parce qu'il commence à bugger. Et c'est là où on est en fait en bas de la vallée. Et la question qu'il faut se poser, bah, c'est quel est le pourcentage ou quelle est la partie de la conversation que j'aimerais automatiser grâce à mon chatbot et à quel moment je vais passer la main à un humain. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir une conversation, malgré qu'il soit auto-apprenant et tout ça, à un humain. Et je crois que le meilleur moyen de démontrer cette fameuse vallée, qui n'existe pas dans l'exemple suivant de la vidéo que tu voulais nous partager là. Ouais, voilà. Donc ça c'est un exemple. Alors on va essayer quelque chose en live. Hein. J'espère que vous allez entendre ce qui se passe. On va Oui, aller le sur. dropshipping 2018 est Alors, mort. ça Oui, c'est le une pub. dropshipping 2019 est complètement mort. Merci la Mais j'ai pub. deux bonnes nouvelles pour le dropshipping. The progress of Voilà. that system. Asset. Donc là je vous explique un peu le contexte. Je vais le mettre en plein écran. Peut-être avec les sous-titres aussi. Pardon? Les sous-titres aussi pour que ça soit plus facile à suivre au cas où. Alors, est-ce que je ne sais pas s'il y a les sous-titres dans cette version-là. Ah, ok. On va voir, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, je vais vous expliquer, même s'il n'y a pas les sous-titres, vous allez comprendre ce qui se passe. En fait, c'est un des grands patrons de Google qui présente son nouvel assistant, les progrès qu'ont fait les équipes de Google sur l'intelligence des robots qui sont capables de s'adapter aux conversations et vraiment se faire passer comme pour des humains. Tu parlais tout d'exemple, l'exemple de la vallée, de dire bah, comment je fais pour ne pas être perçu comme un humain, pas être perçu comme un robot, pardon. Et ben, Google travaille là-dessus et d'autres, hein, vous inquiétez pas, il y a une vraie industrie derrière ça. Et là, ce que présente
ce grand monsieur. C'est un exemple de conversation entre un robot piloté par Google avec son intelligence artificielle et un vrai humain au téléphone. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, sachant que l'humain, il pose des questions au robot que le robot doit analyser en temps réel pour donner une réponse, pour progresser dans son parcours. Et donc, je vais vous donner un premier exemple. Donc, c'est ça derrière, un vision for us. Donc là, il explique que je vais aller vite là-dessus et il démarre le truc. Voilà. To make your haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. Voilà. Je reviens sur la présentation. Bon, l'exemple continue avec une autre conversation sur une prise de, enfin, de réservation d'une table dans un restaurant où on se rend compte que le robot arrive à s'adapter à des situations vraiment, vraiment incroyables et retomber sur ses pieds sans que la personne en face sache qu'elle est en train de parler à un robot. C'est quelque chose qui est. On n'est pas dans la science-fiction, hein. On est sur des choses qui existent et qui ont été déjà montrées il y a maintenant plus d'un an à la convention Google. Donc, c'est encore une fois, et ça, c'est des services qui vont être de plus en plus disponibles et accessibles à tout le monde. Donc, voilà. C'était juste une petite information pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo qui, moi, me fait. Qui me fait rêver en même temps, mais en même temps, ça me fait peur aussi, hein, faut être clair. Voilà. Alors, on va revenir sur nos slides. Vous voyez, normalement ? Oui. OK. Alors là, on revient sur l'exemple de la fameuse Julie. Amtrak. Amtrak, la société de chemin de fer aux États-Unis. Et je vous avais dit précédemment qu'on avait eu un ROI de 800%. En fait, Amtrak, juste pour vous de placer un peu le cadre, c'est plus de 20 000 employés qui servent 30 millions de clients chaque année. Et il y a une jolie faute de frappe, là, je suis navré. Et il y a plus de 400 000 internautes par jour sur ce site Internet pour booker, pour réserver son billet de train. Et ils ont mis en place cette fameuse Julie qui n'est qu'un robot et qui a une certaine rentabilité qui a été plus que démontrée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, Julie, grâce à ce robot, on s'est rendu compte que les réservations ont augmenté de 25%. Ça a permis d'économiser de plus de 1 million de dollars par année de frais en relation client, en frais SAV. Et elle a répondu à plus de 5 millions de questions en une année. Et, pardon ? Oui, je dis waouh, c'est impressionnant. Et surtout, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%. Donc, les coûts diminuent, le chiffre d'affaires augmente, la qualité des réservations aussi. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ça n'arrive pas dans tous les cas, je vous rassure. Hein, ça, c'est la parfaite success story, comme le titre le dit. Mais c'est quelque chose qu'il faut envisager et qui se montre de plus en plus indispensable pour la majorité de nos clients. Alors, ouais. Si vous voulez quelque chose comme ça en place, ben je vous invite à discuter avec la personne, avec le consultant WSI qui vous a invité aujourd'hui ou la Chambre de commerce. Il vous répondra à toutes vos questions. Est-ce que tu veux faire un petit résumé à ce point-là, Gilles? Ouais, je vais faire un petit résumé. Ouais.
J'étais en train de corriger 2-3 fautes, là, les 3 coquilles qui ont, j'en ai vu quelques-unes dont je les ai corrigées en live. Donc effectivement, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chatbot, s'il y avait, vous l'avez compris, hein, on essaie de vous faire comprendre que mettre en place un chatbot, ça peut vous apporter des bénéfices importants. Et on va les rappeler, les résumer rapidement. Un, ça peut améliorer l'engagement et la qualification des visiteurs sur votre site Internet, en permettant de rester connecté, trouver la réponse rapidement à des questions qui se posent. Ça augmente la satisfaction de l'internaute. Ça va améliorer le taux de conversion en intégrant, ça va rajouter un nouveau canal de transformation des visiteurs en visiteurs anonymes en visiteurs connus. Donc ça améliore le taux de conversion. Et ça, c'est très, très important. Et enfin, grâce à ça, ça va vous permettre de diminuer les coûts parce que vous aurez besoin de faire venir moins de monde peut-être pour avoir plus de clients sur votre site. Et donc, comme le disait Gabor, ça peut faire des économies de personnel parce qu'on a vu la Julie, elle a répondu à 5 millions de questions. Imaginez si vous aviez dû payer des gens pour répondre à ces questions-là, c'est des salaires en moins. Hein, donc, on est tous un peu à la recherche de solutions économiques pour, surtout en période qui nous arrive, là, on cherche tous à trouver des solutions qui vont nous permettre de faire gagner du temps et de faire des économies d'argent. Donc, peut-être que le chatbot peut vous aider là aussi à atteindre cet objectif-là, faire des économies. Alors, on a un dernier petit sondage avant de passer aux questions-réponses que je vais essayer de lancer maintenant. Donc, on a essayé de vous expliquer, c'était pas si compliqué, qu'il y avait 3 grandes familles de chatbots. Alors, c'est pas une interrogation écrite, mais la question que je vais vous poser, elle est assez basique. C'est maintenant qu'on vous a mieux expliqué, peut-être fait comprendre ce que c'était que les chatbots, l'importance des chatbots, est-ce que vous pensez que ça vous doit vous donner envie de progresser? Et voilà, aussi simple que tout à l'heure, oui, non, je ne sais pas. Et Gabor, je te le dis déjà, il y a une tendance qui se dégage, qui est elle aussi très intéressante. Alors, je suis le seul à avoir les résultats, 49% avoir voté. On va vous laisser encore quelques secondes, on va essayer d'avoir à peu près le même niveau de pourcentage que tout à l'heure, on est arrivé à 68%. Hein. Donc, dès qu'on arrive à 68%, je vais clôturer les votes, on est à 56% pour l'instant, 56%. Ouais, je pense qu'il faut que tu fasses un countdown, un compte à rebours. Allez, bah fais-le, t'aime bien faire ça. Alors, ce sondage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Combien de personnes répondent? Ok, merci Gabor. Donc, je vais partager les résultats et vous allez voir, comme tout à l'heure, surprise, et ben entre vraiment un changement significatif, puisque tout à l'heure, on avait 80% de non, et là, vous avez 56% à dire oui, ça m'intéresse et je suis prêt à mettre en œuvre ce genre de tactique. Alors, il y a aussi un score important, 32% qui ne savent pas. C'est-à-dire que ils n'ont pas encore sûr. Ils sont pas encore convaincus de devoir mettre ça en œuvre. Bon, donc c'est normal, hein, mais en tout cas on vous a fait réfléchir, je pense, on vous a donné des pistes et c'était l'objectif de ce webinaire, c'est de vous dire voilà, ça peut être important, c'est pas très compliqué et ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui est votre consultant de Google qui vous a fait venir à ce webinaire, qui peut sans doute vous accompagner et vous aider à prendre la décision de savoir comment faire pour mettre en place un chatbot, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça peut rapporter, blablabla, et être capable de mesurer rapidement les retombées de la mise en œuvre de ce genre d'outil. Donc, pour moi, je pense que c'est un objectif intéressant, c'est qu'on vous a fait progresser sur cette thématique. Et donc, moi, je suis fier de toi, Gabor, hein, parce que tu as fait un très bon job, Gilles, aussi. Ouais, donc, tous ensemble. Pour les 32% de sceptiques, on va juste rappeler ce qu'il faut retenir. Tu peux revenir sur la présentation, s'il te plaît. Ouais, alors, devine quoi? Ça marche plus. Voilà, ça y est, ça revient. Il faut quitter la ligne. Donc, échanger, dialoguer, au lieu de juste parler, d'envoyer de la communication dans un sens, identifier clairement les questions qui nécessitent une réponse
aux yeux de vos internautes. Imaginez le flux, le scénario de la conversation idéale. Réfléchissez à ce que vous pouvez automatiser, mais faites attention à cette fameuse vallée de rester le plus humain possible et ne pas tomber dans le piège de tout automatiser. Voilà, je crois qu'à ce stade-là, on est prêt à répondre aux questions, à moins que tu aies encore un point que tu... Oui, il y a eu quelques questions, il n'y en a pas eu beaucoup. Avant de répondre aux questions, on va juste vous parler de la suite. Donc, tu en parlais tout à l'heure, Digital Minds, il arrive en version française dans quelques jours. Hein, maintenant, il sera disponible. Vous pourrez contacter Gabor et votre consultant de WC pour avoir une copie de la version papier, si vous souhaitez, ou une version digitale qui sera aussi disponible. La version américaine existait déjà depuis quelques temps. On a fini ce travail d'adaptation en français, parce qu'on sait que vous n'êtes pas tous à l'aise en anglais et qu'on voulait vraiment vous faciliter, puisqu'on veut vraiment vous aider à progresser dans ces tactiques marketing digital. Et donc, ce bouquin, Digital Minds, en la troisième version, il donne des informations pratico-pratiques sur 12 clés essentielles du marketing digital. Donc, tout patron d'entreprise qui se dit aujourd'hui, peut-être que marketing digital, je devrais m'y intéresser un peu plus, qui commence par lire ce bouquin et il va découvrir des pistes intéressantes à explorer. Voilà notre fameuse session de Q&A. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, posez vos questions. Il y a Fabien qui a commencé. Fabien qui a commencé à tirer le premier. Donc, on va essayer de répondre à sa première question. Alors, Fabien, pourquoi est-ce que... Ça, c'est une question pour toi, Gabor. Pourquoi est-ce que 80% des bots s'appellent Julie? Parce qu'elle ne s'appelle pas Charlène. Je ne sais pas. Je pense que c'est comme les Dupont. Généralement, c'est les Américains qui aiment bien utiliser ce prénom féminin. Quoi. Alors ouais, ça passe. Que c'est vrai que c'est un prénom international. Ça aurait pu être Marie. Ça aurait pu être. C'est vrai que Julie, on le trouve partout. On le trouve en anglais, on le trouve en français, on le trouve. C'est assez international comme prénom. Je pense que c'est la raison principale, Fabien. C'est une très bonne question et merci pour le smiley qu'elle est avec. Alors là, tu vas moins rigoler, Gabor. Dis-moi. Ouais, fais pas le malin là, parce que tu fais le gros bras en disant moi je suis le roi du chatbot. Alors attention, accroche-toi. Comment expliquez-vous le fait que ça n'a pas du tout marché à la fin des années 90 et des années 2000, quand il y avait des avatars comme Cartoche notamment. Cartoche, pardon. Voilà, il y a un problème générationnel, je n'étais pas né. Donc, je ne sais pas. Tu as connu ces différentes applications? Oui, alors, pourquoi ça n'a pas marché? Effectivement, je pense que tu mets le doigt dessus. Hein. Peut-être que... je rigole parce qu'il y a Fabien qui réagit en temps réel, donc c'est bien. C'est vrai que voilà, il y a des tactiques, c'est toujours pareil, il faut avoir le bon produit au bon moment. Et peut-être que à l'époque, il y avait des produits similaires qui le marché n'était pas prêt. Et maintenant, aujourd'hui, le marché est prêt, donc il faut y aller. Je pense que c'est la réponse adéquate qu'on peut faire. Il y avait déjà de l'intelligence artificielle? Moi, j'ai fait, quand j'étais ingénieur, c'était il y a 35 ans, il y a 40 ans, j'ai fait une école d'ingénieur et ma spécialité, c'était l'intelligence artificielle. Je suis spécialiste en intelligence artificielle, t'imagines? Ouais, j'ai de la peine. Merci. Il y a Fabien qui nous dit il y a aussi de plus en plus de très bons outils de culture francophone en France et en Suisse. Alors oui, bien sûr, il y a des outils francophones, on est d'accord, Fabien, merci de le rappeler. Il n'y a pas que nos amis américains pour faire des bons produits. Il y a Elodie qui nous dit bonjour, merci pour la présentation. La mise en place d'un chatbot pour l'entreprise B2B est-il aussi important? Très bonne question, Gabor, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je ne fais pas de différence. Alors, on va répondre comme. Je ne pense pas qu'il y ait une différence que ce soit B2B parce que c'est en fait une conversation de H2H, de humain à humain. Et certes, les questions changeront, mais le dialogue sera toujours le même. Le but, c'est de créer ce dialogue, cette relation le plus rapidement possible en répondant aux besoins, que ce soit B2B ou B2C. C'est toujours un humain qui veut être rassuré, qui fera le meilleur achat possible. C'est mon point de vue. Est-ce que tu le partages?
Oui. Alors là, moi, B2B, moi, je suis principalement, mes clients sont principalement B2B et tous sont en train de mettre en place des chatbots, tous. Donc, et on voit, c'est que, pourquoi ? Parce que bah, c'est un canal qui permet d'augmenter le taux de conversion des visiteurs. Et pourquoi ? Bah, parce que c'est un autre canal que les gens ont appris à utiliser. Et quand le chatbot est bien fait, eh bien, ça permet très vite d'engager l'internaute dans un mode de discussion qui est, comme tu l'expliquais tout à l'heure avec l'exemple de la vallée, c'est-à-dire que ça commence avec un robot, et puis très vite, on passe la main à un humain pour qu'il prenne le relais et qu'il puisse finaliser le processus sans que l'internaute se rende compte. Alors évidemment, quand il y a un humain possible, hein, mais quand il n'y a personne, quand les autres bureaux sont fermés, eh bien, on prévient la personne, on dit merci, on a récupéré des informations, nos bureaux sont pour l'instant fermés, mais on revient vers vous, enfin, un conseiller vous revient vers vous demain matin pour répondre aux questions qui vous restent. Et puis voilà, et ça se passe très bien. D'accord. Alors, il y a William qui pose une question très intéressante aussi. Là, on voit qu'on est avec des businessmen. Là, peut-on utiliser le chatbot pour pré-remplir un devis sur nos services? Oui. Bah oui, évidemment. Oui, c'est notre transactionnel, oui. Bien sûr, on est en plein dedans. Bien sûr, William. Donc là, je passe le commentaire de Fabien qui dit c'est moi, de se moquer des vieux. Bon, voilà. Ça, je pense que c'est pour toi, Gabor. Hein. Bonsoir, quel est le délai de réponse aux questions aux clients sur le chatbot? Faut-il répondre de façon instantanée? C'est difficile d'être connecté en permanence sur son site. Bah oui, bien sûr, c'est difficile, Karima. On est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que le chatbot, le robot peut faire, peut aider à faire patienter l'internaute jusqu'à ce que peut-être quelqu'un se libère en posant une série de questions. La personne qui est en charge de ça va être avertie qu'il y a quelqu'un qui commence à interagir avec le robot. Et puis, à un moment donné, bah, c'est lui qui prend le relais sans que l'internaute se rende compte, entre guillemets, qu'il a passé toutes les questions, entre guillemets, qui sont quel est votre nom, comment je peux vous aider, quels sont les sujets, blablabla, une série de questions qui sont un peu essentielles pour l'aider à progresser et l'aider à trouver la réponse à sa question. Donc, tout ça, c'est des questions qui peuvent être traitées par des robots. Et comme ça, la personne qui a vraiment du temps à consacrer pour apporter une analyse d'un valeur, parce que là, je n'étais pas encore investi dans la solution de Google Intelligence Artificielle que je vous ai montrée, elle va intervenir et elle va apporter son expertise sur un ensemble d'éléments qui auraient été déjà préparés. Qu'est-ce que tu en penses, Gabor? Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, le chatbot va faire ce que moi j'appelle tout ce travail de qualification, de validation du lead pour voir si c'est bien un bon auteur et qu'on s'est bien très avancé, transféré à un humain. Alors, il y a différentes choses. Dire actuellement, notre expert est occupé, vous contactera sous 48 heures, 24 heures, 12 heures à vous de définir. Et ça, je pense que c'est spécifique à chaque industrie, à chaque entreprise. Mais il y a tout travail en amont qui peut être automatisé. Ok. Il y a Karima qui dit merci pour votre réponse et votre très belle présentation. Donc, merci Karima. On est ravis que ça vous ait plu. Dominique, il y a encore une question. Fabien est très actif là ce soir. Il dit pour une petite entreprise qui veut commencer avec un chatbot informationnel, donc il a compris qu'il y a trois niveaux de chatbot, combien faut-il compter par mois? Donc, le chatbot informationnel, je rappelle, hein, pour tout le monde, c'est le premier niveau de chatbot, c'est les chatbots les plus simples. Donc, moi, répondre à des questions, c'est entre 0, 500, 1000, on ne sait pas si c'est des francs suisses ou des euros ou des dollars, mais on voit les ordres de grandeur de toute façon. Moi, ce que je serais tenté de dire, c'est que la mise en place d'un chatbot, il y a deux types de frais. Il y a des frais d'installation, configuration, programmation, etc. Donc, ça, c'est un investissement de base. Et puis après, il y a des frais d'exploitation récurrents. Ce qui va coûter le plus cher au début, c'est ça, c'est la configuration, l'intégration, les tests, etc. Donc, un petit peu de travail à faire, mais c'est de l'ordre d'une journée de travail maximum, hein, c'est pas énorme. Donc, ça va être entre 500 et 1000 balles en fonction du temps qu'il faudra y consacrer. Moi, je pense que c'est pas beaucoup plus cher que ça. Et puis après, en fonction de la solution, si c'est une version gratuite, une version payante, ça va vous coûter quelques euros d'investissement supplémentaire, plus un peu de suivi au départ pour s'assurer que tout marche bien. Mais on parle de quelques centaines d'euros à l'année. Ça va,
ça me coûte 1000 balles, ça me semble beaucoup, quoi. Enfin, c'est le budget que je mettrais, moi. Je ne sais pas ce que ça pense, Gabor. Tu factures ça combien, toi? Je sais qu'en Suisse, vous êtes cher. C'est pas une question. Non, alors, comme on l'a montré dans la présentation, il y a des solutions gratuites. Ouais. Il faut juste lire la documentation pour mettre en place et être prêt à passer dans une phase de trial error, de mettre en place et de corriger ses erreurs rapidement. Donc, une petite entreprise peut tout faire ça gratuitement. Après, pour aller à un niveau supérieur, c'est plus au niveau informationnel, mais conversationnel ou de conseil, transactionnel, pardon, ou de conseil, c'est là il faudra commencer à investir. Mais pour commencer tout au début, on peut faire ça gratuitement, quoi. Ouais, avec l'outil gratuit, c'est ça. Ouais. Alors, il y a Dominique qui nous pose la question de combien de temps en moyenne dure une conversation chatbot. Oh. Ouais, c'est une bonne question. Ça peut être très bref comme ça peut être assez long. Hein. Ouais. Ça dépend du chatbot. Déjà, ça va dépendre du nombre de questions que vous allez mettre dans votre chatbot. Là, on est en train de travailler sur un chatbot qui a 31 questions. Donc là, on espère ne pas perdre les internautes au fur et à mesure. Parce qu'on les engage en disant vraiment, voilà, il faut répondre sur la dernière question. Si vous voulez le résultat de tout ce que vous avez fait, il vous reste encore des étapes. Mais bon, c'est des questions qui sont assez simples. Mais je pense quand même que les gens, s'ils doivent remplir pour qu'ils remplissent les 30 et quelques questions qu'on a préparées, il leur faudra bien une dizaine de minutes. Bon. Donc, on sait qu'il va y avoir des échecs, il y a des gens qui n'iront pas jusqu'au bout. Mais c'est pas grave parce qu'on aura quand même récupéré des informations sur déjà leur adresse email, donc ce ne sont plus des gens complètement anonymes. On sera capable de revenir vers eux avec en demandant de compléter peut-être ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir parce qu'ils ont été pressés, parce qu'ils ont eu, voilà, ils avaient, je sais pas, l'apéro, le Facebook apéro, je sais pas quoi. Et donc voilà, donc moi je pense que les gens passent pas, il faut que ce soit très réactif un chatbot. En moyenne, moi ce que je vois, c'est moins d'une minute. En moyenne. Voilà. Ok, je vois qu'il y a on arrive à l'heure, il y a des gens qui sont en train de nous quitter et qui nous disent je dois vous quitter, merci beaucoup, nous dit Fabien. La presque quinca vous salue. Ah, d'accord. Dominique, merci Gabor. Une belle collaboration entre la Suisse et la France. Ben, oui, c'est vrai, on est fiers de cette collaboration. Et il y a William qui dit c'est une secrétaire virtuelle en fin de compte. Ben oui, vous avez tout compris, William. C'est un peu ça. C'est une secrétaire qui vous fait gagner du temps. Voilà. Donc, avant que vous partiez, on voulait vous dire qu'on a un prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin, comme aujourd'hui, de 17h à 18h, sur la thématique architecture de conversion, comment convertir plus de visiteurs sur votre site en prospect. Donc, toujours en mode webinar, toujours avec les CCI, et on a une bonne nouvelle, c'est que bientôt, en fait, cette première série a été un vrai succès. On vous remercie tous pour votre participation, vos inscriptions. On a atteint plus de 300 inscrits à cette session. C'est la première fois qu'on a atteint un tel score en France. Donc, c'est formidable. Et donc, vu ce succès, on a décidé et parce que vous le demandez aussi, on a décidé d'étendre de 3 sessions supplémentaires qui vous seront présentées le prochain webinaire, le jeudi 11 juin. On vous présentera les 3 sessions qui ont été rajoutées à la suite de cette première série de 6. Voilà, donc on était ravis de vous avoir aujourd'hui, Gabor et moi. Moi, je suis vraiment content, comme Dominique, de cette collaboration franco-suisse, mais qui intègre aussi nos amis du Luxembourg et de la Martinique. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont contribué aussi à la réalisation et au succès de cet événement. Moi, voilà, je suis vraiment fier de pouvoir contribuer avec toute l'équipe à la réussite de cet événement. Et Gabor, tu vas peut-être laisser le mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Surtout, merci à vos questions qui étaient fort pertinentes. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et entre-temps, si vous avez des questions, adressez-vous à la personne qui vous a invité. À bientôt. Ouais. Merci Gabor, à bientôt à tous et bravo. Et utilisez les chatbots. Utilisez les chatbots. Ciao, ciao. Ciao.